Et salut à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci on va parler d'un stuff que j'affectionne en ce moment. Donc c'est le stuff Banshee avec deux pièces tactiques. Donc c'est, vous l'aurez compris, avec le Ninja Bike. Donc on va passer tout de suite à l'explication. Voilà, tac, inventaire. Donc alors, je m'étais dit au tout départ de la 1.7, je me suis dit il faut que je fasse un truc avec deux pièces tactiques parce que t'as l'accélération de comp, t'as puissance de comp en plus, donc ça peut rattraper le fait que tu perds ton barrette, enfin que tu perds ton spécialisé. Donc ce que j'ai fait, c'est que, et en plus je me suis dit on va jouer avec l'accélération de comp en plus, soyons fous. Donc comme vous voyez, je joue avec deux fusils d'assaut. Donc deux fusils d'assaut, pourquoi deux fusils d'assaut? Parce que c'est ce qui fait le plus mal. Et pour deux, parce que vu qu'on a les munitions avec le Banshee illimité quand on est rogue, on s'en fout quoi. Donc on peut jouer avec deux fusils d'assaut, c'est très très bien. Qui ont expert tous les deux, sachant que j'ai accès à son compte, donc je peux cumuler mon expert jusqu'à 3 ou 4 fois si je me démerde bien. Donc j'ai accélération de comp sur le baudrier, santé, arme à feu, accélération de comp sur les gants qui sont en comp, donc dégâts fusil d'assaut proba, et j'ai accélération de comp sur le holster, sachant qu'il me manque 1% parce que normalement le max c'est 7%. Donc je gagnerai encore si je trouve mieux, Inch'Allah, on pourra voir encore, je pourrais baisser encore 2-3-4 secondes encore facilement. Donc voilà, donc pour les stats, je vais vous montrer tout ça. Donc le heal DPS, parce que moi je préfère jouer en heal DPS, parce que sachant que c'est un stuff pour moi pour passer rogue en solo ou en équipe, donc déjà 300 000 de res, même si j'ai des 10% d'atténuation de dégâts, ça me fait de 330 000 de res. Donc plus le heal DPS, je dépasse les 350 000, ça me tank et ça me donne du DPS. Il revient en 25 secondes 10. Donc comme j'ai dit précédemment, si j'avais le pourcentage qui me manquait, je pense que je pourrais être en dessous de la barre des 24. Je pourrais être dans les 23 et quelques, je pense, à mon avis. Donc l'antiscan, il a 16-16, donc 16 de proba, 16 de critique, ce qui est largement louable. Quand je balance mon expert, etc., plus le scan, bon voilà, quoi, je fais quasiment que du crit. Donc je vous invite à continuer à regarder la vidéo parce que je vais vous montrer deux gameplays différents, donc un gameplay solo, un gameplay en équipe avec ce stuff là. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire et que ça va vous donner envie de jouer avec ce stuff.
hone your skills. But boy, you in the danger room. Yeah, you in the danger room.